when I should've known that the future's strong. Send a text my phone, bitch, leave me alone. Let go, cause I'm never coming home, get a new. Yo, salut les gars, c'est Globox, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un sujet, pour plusieurs sujets. Mais avant ça, je vous propose le gameplay qui a été réalisé durant le double XP sur la map Rice. Une map que j'apprécie énormément, mais voilà, il y a beaucoup de rage kit. Et quand il y a du rage kit sur cette map, ça risque d'être compliqué. Les amis, j'étais avec Grony. J'étais avec MGK et j'étais avec Raiden, si je ne dis pas de bêtises, oui. Je vais réaliser la nucléaire, malheureusement Raiden était à Brutal, il a préféré me laisser le spawn, il s'est sacrifié pour moi. Et ça, je lui fais une petite dédicace, merci à toi. Mais juste après, Raiden il s'est dit, moi aussi je mérite ma nucléaire, donc il a réalisé la nucléaire aussi sur la map Rice, juste après celle-ci. Enfin voilà les amis, j'étais aussi avec la KN44. J'avais mis cross, chargeur rapide et gros calibre. C'est vrai que j'ai envie de vous proposer une petite série où je vous propose toutes mes classes. Parce que je l'avais dit au début de ma série, nucléaire avec toutes les armes. La plupart, j'oublie parce que le gameplay est court. Ou alors c'est des gameplays répétitifs sur la map combine, etc. Et voilà, il y a certains gameplays que j'ai réalisés il y a quand même pas mal de temps. Donc forcément, il y a des patchs, il y a des accessoires qui sont patchés, etc. Enfin bref, plein de choses comme ça, des accessoires plutôt des armes. Je ne sais pas si patch des accessoires, j'en ai aucune idée. Enfin les amis, voilà, malgré que le gameplay soit long, j'espère qu'il vous plaira. Voilà, tout simplement. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un, je dirais pas pour une nouvelle série, je vais y réfléchir. J'aimerais quand même créer encore une série où je vous parle de tout ce qu'on a raconté sur Call of Duty cette semaine. Par exemple, cette semaine, qu'est-ce qu'on a parlé? On a parlé de Ghost 2. Alors, c'est vrai que j'ai déjà fait une vidéo concernant soit Ghost 2 ou MW4. Je vous avais demandé dans les commentaires de voter pour voir lequel Call of Duty préférez-vous avoir. Ou plutôt voir, c'est comme vous voulez. Dommage pour la quad feed au passage. Et beaucoup d'entre vous ont voté MW4. Franchement, moi j'étais pour MW4. Vous savez que je kiffe MW3. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai une série sur ma chaîne. Pas mal de personnes avaient aussi parler de Call of Duty Ghost 2, qui voulait voir Call of Duty Ghost 2. Chacun est libre de choisir. Même si voilà, moi personnellement, quand j'ai commencé Call of Duty Ghost 2, j'étais sur Xbox et franchement c'était pas plaisant. C'était pas plaisant, donc c'est pour ça que j'ai choisi MW4. Après voilà, on ne sait pas si ça va être Call of Duty Ghost 2. D'ailleurs je vais en parler quand même parce que c'est le sujet de la semaine. Beaucoup de personnes en parlent comme si il y avait un thriller qui était sorti, comme si je sais pas, l'un des développeurs l'avait précisé sur Twitter. Et ça, personne ne l'a dit, personne ne l'a fait. En tout cas, que je sache, il y a juste des youtubeurs qui ont fait des vidéos. Et j'ai envie de vous dire, les gars, ne croyez pas forcément les youtubeurs. Je ne dis pas que tous les youtubeurs sont des menteurs, mais pas mal de personnes essayent de créer le buzz exprès pour attirer un maximum de personnes sur leurs vidéos. Voilà, c'est facile. Tout le monde attend le nom du prochain Call of. On veut peut-être pas forcément des images ou des gameplays, on veut juste un nom. Voilà, même si on est seulement au mois de mars, c'est vrai qu'il reste à peu près 6 mois, si je ne dis pas de bêtises, plus ou moins. C'est vrai qu'on n'a pas besoin de voir des images, on est encore sur Black Ops 3. Les 3 derniers DLC ne sont pas encore sortis. Voilà, j'en suis sûr certain, il y aura encore des nouvelles armes qui vont sortir. Il y a encore plein de choses à découvrir sur ce jeu. Donc moi j'ai pas envie de lâcher Black Ops 3, j'ai envie de terminer ma série, etc. Donc le prochain Call of, je m'en fous un peu. Je veux juste savoir le nom pour me mettre un peu une idée en tête. Et franchement, je vois pas pourquoi on dit Call of Duty Ghost 2. C'est vrai. Donc re les amis, désolé j'ai dû couper parce qu'il y a un ninja qui est rentré dans ma chambre en mode YOLO Swag. C'était ma mère bien sûr. Enfin les amis, voilà, je reviens à ce que je disais. Voilà, Call of Duty Ghost 2, pourquoi pas, pourquoi pas. Après rien n'est officiel. J'aimerais bien aussi, voilà, Call of Duty Ghost 2, parce que beaucoup de personnes se disent dans leur tête, oui, Ghost 2, non merci, le premier ça a été nul à chier. Mais justement les gars, ils vont pas faire deux fois la même erreur. Ils veulent peut-être se rattraper, ils se disent dans leur tête, oui, mais on a aussi d'autres idées en tête, on a aussi, voilà, on sait pas, il y a tellement de choses qui peuvent faire. Un Call of Duty varie beaucoup, certes, on dirait qu'il se ressemble, beaucoup de personnes se plaignent, oui, c'est toujours la même chose. Écoutez, quand on est passé de Call of Duty Black Ops 2 à Ghost, c'est vrai que Ghost c'était pas très très bon, c'est vrai que c'était nul à chier. Dans le sens où les maps étaient trop grandes, je trouve. Sinon, voilà, quand on tombait sur, par exemple, comment ça s'appelle, Skyzone,
Non, je sais pas, la petite map, vous savez très bien de laquelle je veux parler, la plus petite map qui est d'ailleurs disponible dans un mode de jeu. C'est une très très petite map. Quoi, c'est la plus petite map du jeu, elle est pas très petite, mais voilà. Sur cette map, c'était gérable, c'était un beau call of. Il y avait certains accessoires, par exemple le EEI qui était assez dégueulasse. Mais voilà, il y avait toujours quelque chose pour contrer. Il y avait un atout, je sais pas lequel exactement, ça doit être rapport, un truc comme ça. Parce que Call of Duty Ghost, je lui ai joué seulement deux jours. Un jour sur PlayStation 3 et un jour sur Xbox. Et après, c'était que sur Black Ops 2. Après Call of Duty Ghost, on est reparti sur AW. Voilà, un Call of qui était pas si mauvais que ça. Même s'il était fort critiqué, ça changeait tout simplement. Moi, j'ai toujours considéré ce Call of comme un bon jeu. Comme un bon jeu de FPS, mais ce n'était pas un Call of Duty. Mais voilà, à chaque année, on se plaignait, plutôt sur les anciens Call of, on se plaignait, oui, Call of Duty, c'est toujours la même chose, on veut autre chose, on a eu quelque chose d'autre, et à chaque fois, on se plaignait. Donc je sais pas, franchement, moi je suis pour un Call of Duty Ghost 2, je suis pas contre un W4 non plus. Franchement, après, on va peut-être se tromper, ce sera complètement un autre nom, ce sera peut-être Call of Duty alias Bokehlon, je sais pas, les gars, je sais pas. Enfin, on va peut-être nous trouver quelque chose d'autre. Après, Modern Warfare 2, Advanced Warfare 2, je ne pense pas parce que c'est pas les mêmes développeurs, je pense. Je pense qu'ils prennent 2 ans à créer un jeu, enfin bref, je m'en bats un peu les couilles qui créent ça. C'est vrai que j'aimerais bien savoir juste le nom du prochain COD. Au passage, je suis seulement à implacable, voilà, le gameplay n'est pas fameux, c'est surtout le commentary. Donc voilà, aujourd'hui je vais pas vous demander de voter pour MW4 ou Ghost 2. Je vais demander si vous êtes pour ou contre Ghost 2. Et bien sûr, réfléchissez à ce que je viens de dire. Voilà, je vous ai dit les gars, ils vont certainement réparer leurs erreurs. C'est peut-être le cas les gars. Ils vont peut-être créer Call of Duty Ghost 2 avec beaucoup d'améliorations. Ils vont peut-être pas mettre l'accessoire ils vont mettre peut-être des choses qu'on a beaucoup aimé dans les anciens Call of. Ils vont peut-être mettre les jetpacks, ils vont peut-être mettre les doubles sauts, etc. On ne sait pas, voilà, on ne sait pas comment ça va se passer. Je vais pas vous raconter ce que j'aimerais dans le prochain Call of, parce que moi j'aimerais bien, voilà, c'est classique, c'est un jeu de guerre tout simplement, un jeu de guerre avec des anciennes armes. Mais après, est-ce qu'ils vont mettre des nucléaires, etc. Ça, ce serait quand même embêtant. Enfin voilà les amis, je pense que vous voyez à peu près ce que je veux dire. Donc n'hésitez pas à voter dans les commentaires si vous êtes pour ou contre Call of Duty Ghost 2. Donc voilà, en tout cas une chose est sûre, je suis un brutal. Et une autre chose est sûre, c'est que le prochain Call of, je l'achèterai bien évidemment, même si c'est Ghost 2. Voilà, j'ai envie de saigner le prochain Call of, j'ai envie de reprendre mon niveau que j'avais. Parce que pour être bon, il faut saigner le jeu. Quand il sort les gars, vous l'achetez, vous saignez. Même si vous avez 70€ sur vous seulement, bah vous l'achetez et vous serez un bon joueur tout simplement. C'est comme ça que ça va les gars tout simplement. Aujourd'hui s'il y a des bons joueurs sur Call of, c'est tout simplement parce qu'ils ont joué et rejoué. Enfin bref les amis, je sais pas si j'ai le nucléaire, je ne pense pas. Donc aussi il a eu un patch. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, c'est une nouvelle série peut-être, je vais y réfléchir. N'hésitez pas aussi à me dire dans les commentaires si vous voulez une série comme ça, où je vous raconte chaque semaine, chaque samedi ou dimanche ce qui s'est passé durant la semaine, voilà, s'il y a eu des patchs, il y a eu des informations durant les prochains Call of. C'est un peu comme un journal COD à la Skyros. Bien évidemment, c'est pas un plagiat, maintenant que j'y pense. Voilà, enfin bref. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez la série. Alors, ce que je voulais vous dire aussi, les amis, il y a eu un patch. On m'a dit que la Emueta 7 était patchée. Je pense que vous avez tous vu ma nucléaire 58 Gun Streak. C'est vrai que je mettais pas beaucoup de one-shot. Donc je pense qu'elle a été patchée. Après je dois encore taper une nucléaire avec pour ma série nucléaire avec toutes les armes. On m'a dit aussi que la faux a été patchée. Je sais pas si c'est ce patch aujourd'hui ou un autre, parce qu'il y en a très très souvent. Enfin bref, je ne me suis pas informé beaucoup. Je vous promets pour la prochaine fois, s'il y a un prochain épisode, que je vous parlerai de plus d'informations. Et les informations seront des vraies informations, pas des choses que je vous dis à l'arrache. Enfin bref les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Un commentaire assez long, c'est vrai que j'en ai pas l'habitude. Je pense que ça a été pour le commentaire. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez aussi. Enfin voilà, vous me dites ce que vous voulez dans le commentaire, je vais pas vous forcer non plus hein. Et voilà, je vous dis certainement à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vous dis aussi bye bye tout le monde, c'était Globebox. Bye bye tout le monde.